Der Nürnberg-Minister ist den Minister, den responsable ist, hat zu Lützburg für die Umsetzung von zwei europäischen Direktiven, die man Naturschutz zu dienen. Da ist einerseits ein Direktiv Habitat, die ist von 92, und ein Direktiv zum Vogelschutz von 1979. Und diese zwei Direktiven sind eigentlich vier, dass alle Land, also alle Land von der Europäischen Union, die 27 Mitgliedstaaten, müssen Naturschutzgebiete an ihren Ländern ausweisen. Das ist eine relativ große Fläche, die hier drin fällt. Das sind zum Beispiel auch für ein paar Regionen zu holen. Das ist eben die ganzen Urdal, das ist der Eichmärmerdal, der Gringewald oder auch die alle Tagebaugebiete dort am Süden. Das ist wirklich auch, wenn wir die Biodiversität für Lützburg gucken, anfangen die wichtigsten und die naturnahsten Gebiete, die wir zu Lützburg machen. Das ist eigentlich, wenn ich weltweit gucke, das einzigartige Naturschutzprojekt, wo er eigentlich über die Grenze von den Ländern raus zusammen geguckt wird, welches ist ein natürliches Patrimoine, welches ist die Responsabilität weltweit für dieses Patrimoine zu schützen. Und da, wie gesagt, zusammensetzen von einem europaweiten Netzwerk von Naturschutzgebieten, wo dann eine ganze Reihe von Biotopen, Habitaten und Arten soll geschützt werden, die einzigartig für Europa sind. Die rar sind oder die ja vorsehen auszustürfen um europäischen Territoire. Autrefois, la Montperlière était commune dans de nombreuses rivières au nord du Luxembourg. Aujourd'hui, sa distribution se limite à une petite zone de la rivière Our qui fait la frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne. Les derniers individus de cette population se trouvent entre le point des trois frontières à Uren et Konenhof. Als Kind sind wir immer viel an Tour gegangen und dann haben wir die Muscheln gefunden. Und da waren immer so ganz viele Muscheln auf verschiedenen Plätzen. Zwischen Teilen der Kalbermühle waren da immer viel und in unserem Haus. Und da haben sie sich immer gefragt, wer sind die Muscheln? Bis es sich noch einmal herausgestellt hat, dass der nicht mehr so viel ging. Da hat ein anderes Bett, es war variabel. Und, es waren auch Fisch von alles dran an Lo, also die Büsselchen ganz rare Fisch gehen für wert, das weiß ich auch nicht. Les obstacles à la migration des poissons ont un impact négatif sur les populations de poissons et particulièrement sur la truite fario, qui est l'hôte intermédiaire de la moule perlière. Ces obstacles empêchent les poissons à rejoindre leurs frayères dans les cours d'eau tributaires. La reproduction piscicole est donc limitée. Et le nombre de poissons diminue ou l'espèce s'éteint complètement. La menace la plus importante pour la moule perlière constitue la charge en sédiments fins des cours d'eau. Les jeunes moules, qui vivent enfouies dans le lit du cours d'eau, s'asphyxient quand les interstices dans lesquels elles vivent sont colmatés par des particules fines. Les forêts d'épicéas sont particulièrement concernées par l'érosion, vu leurs racines superficielles, et contribuent donc à la charge en sédiments fins des cours d'eau. Nullebeam haben die Eigenschaft, für relativ flach Wurzeln auszubilden. Das Wurzeln, die sie nicht annehmen, für den Boden am Uferbereich festzuhalten und so mal dort zu stabilisieren. Wenn dann stark Regenwasser an Ereignisse kommen, zum Beispiel bei einem dicken Donnerwetter am Sommer oder bei Hochwasser im Winter, dann kommen so Wassermassen, dass die Tellerwurzeln komplett innerspult gehen. Ein ähnliches Problem entsteht, wenn Fei an Bachendränke geht. Dabei vertrüppeln sie den Uferbereich, was das Sediment da freisetzt.
Die Erosionsproblematik, die wir da gesehen haben, finden wir dann an der Urrum. Das heißt, das Sediment wird hier ausgespült. Das geht dann mit Ruf an die Uhr geschwemmt und setzt dann hier das Bachbett zu. Als kleine Muscheln, die sich am Bachbett, am Kiessubstrat sollen entwickeln, sind somit dann ihre Entwicklung gestört, weil sie aus Sauerstoff- und Nahrungsmangel da futti gehen. L'absence de stations d'épuration pour le traitement des eaux usées constitue un autre problème. Les eaux usées contiennent des nutriments qui, une fois dans le cours d'eau, sont décomposés grâce à des processus qui consomment beaucoup d'oxygène. Une bonne concentration en oxygène est pourtant primordiale à la survie de nombreuses espèces aquatiques, dont la moule perlière. Ja, LIFE, das ist ein europäisches Finanzinstrument für umweltrelevante Projekte zu finanzieren. Das sind immer Projekte, die müssen eine europäische Komponente haben. Und dann, wie gesagt, das sind dann 50% Kofinanzmentprojekte. Das heißt, die Kommission gibt 50% von den Projekten und dann müssen dann die Länder, die die Projekte machen oder Partner von denen, müssen dann die 51% dort finanzieren. Le projet se décline en plusieurs axes, l'élevage de la moule perlière, les actions de restauration de son habitat, le monitoring scientifique et les actions de sensibilisation des acteurs. Pour élever les moules perlières, on doit connaître leur cycle de vie qui est très complexe. En été, les moules adultes émettent leurs larves dans l'eau. Les larves doivent trouver rapidement un hôte intermédiaire pour survivre. La truite fario est un poisson hôte adapté à la moule perlière. Le poisson, en respirant, inhale de l'eau chargée en larves. Les larves, en longeant les branchies du poisson, s'y attachent. Enkystées, elles y hibernent jusqu'au printemps. Au printemps, la température de l'eau augmente et les larves commencent à se développer en petites moules. Une fois leur métamorphose terminée, elles se détachent des branchies et tombent dans l'eau. Les jeunes moules s'enfouissent profondément dans le lit du cours d'eau et y croissent très lentement. Après des années, elles refont surface et vivent à l'interface de l'eau libre et du fond du cours d'eau. Seulement après 15 à 20 ans, elles acquièrent la maturité sexuelle et le cycle de reproduction se poursuit. Afin de récupérer les larves des moules, les biologistes contrôlent leur état de gravidité quotidiennement. Avec précaution, la coquille des moules est entrouverte afin de voir si des larves se développent au sein des femelles. Une fois les moules prêtes à émettre leurs larves, celles-ci sont récupérées. À l'aide d'un microscope, on vérifie si les larves sont matures et capables d'infecter des poissons. Les larves bougent, ceci est bon signe. Les larves récoltées sont versées dans un bac à poissons et l'infection se fait sans assistance aucune. Vu que l'infection est un processus naturel, les poissons n'en souffrent pas. Ensuite, le succès de l'infection est contrôlé. La branchie d'une truite nouvellement infectée est disséquée et analysée sous binoculaire. L'infection était un succès. Chaque petit point sur la branchie est une larve. Les poissons infectés passent l'hiver dans des étangs. Une partie des poissons infectés est relâchée dans l'eau, afin que les petites moules puissent tomber immédiatement dans le lit de la rivière. Les autres poissons infectés sont introduits dans un système de collecte de jeunes moules.
L'eau du système est progressivement échauffée et les moules s'y développent lentement. Finalement, elles se détachent des branchies des poissons. Elles sont emportées par le courant d'eau à travers un tuyau et tombent dans un tamis. Ensuite, elles sont aspirées à l'aide d'un tuyau, puis nettoyées. Sous binoculaire, on contrôle si les moules bougent activement. Ensuite, elles sont triées et nettoyées. Elles passent les premières semaines de leur vie post-parasitaire dans des boîtes en plastique, où on les nettoie et nourrit régulièrement. À température constante, elles croissent très lentement. Une fois qu'elles ont atteint une certaine taille, on peut les transférer dans des plaques perforées. Les plaques perforées sont placées dans l'our, où les jeunes moules font connaissance avec leur habitat naturel. La nourriture contenue dans l'eau de l'our traverse les mailles des plaques perforées. Les moules s'habituent ainsi aux conditions de la rivière dans laquelle elles vivront une fois qu'on les aura libérées. L'avantage des plaques perforées est qu'on peut les nettoyer quand elles se colmatent, tout en assurant que les jeunes moules ne soient pas perdus. Elles vivent ainsi les premières années sous constante surveillance des biologistes. Une autre partie des jeunes moules reste dans le laboratoire. Dans des rigoles, elles peuvent s'enfuir dans du gravier comme elles le feraient dans leur milieu naturel. Elles sont nourries avec des algues qui leur permettent de grandir et de devenir fortes. D'autres moules encore sont maintenues dans des tamis, qui sont traversés par l'eau de l'our enrichie avec des algues. Une fois que les moules élevées seront assez fortes pour affronter la vie dans la rivière, elles seront relâchées dans l'our, où on espère qu'elles deviendront centenaires. Sous binoculaire, on peut voir que les moules vont bien. Elles tendent leurs pieds musculaires afin de trouver de la nourriture. Natürlich, da muss noch konsequent sein, wenn man nur so, wir investieren so viel so an die Stationen für die deren erste Züchte, da muss man ja nur natürlich auch garantieren, dass die Konditionen da besser so sind, dass auch können da evaluieren. Natürlich, da muss effektiv ganz viele Akteure zusammen, auch das, was nur ein Projekt können, konsequent durchziehen. Dass man weiterhin mit Kontrakten, mit der Landwirtschaft gucken, für den, die Intensivierung ja, vom Plateau zu reduzieren. Das über die Wassergestion, neue Kläranlagen müssen kommen. Und da sind wir alle gut, wir haben uns alle gut gefordert, für da mitzumachen. Parallèlement à l'élevage, le projet Life Nature réalise différentes mesures de restauration de l'habitat de la moule perlière. L'installation de clôtures empêche le bétail d'accéder au cours d'eau. Des abreuvoirs et ponts à bétail assurent que l'exploitant ne subit aucune modification importante. Les déraisinements permettent de planter des forêts feuillues d'aulnes, d'érables et de frênes qui permettent de stabiliser les berges. Ces mesures réduiront considérablement les phénomènes d'érosion, tellement nocifs pour les moules et autres espèces vivant dans l'eau. Les feuilles des arbres, contrairement aux aiguilles des épicéas, servent également de nourriture à de nombreux animaux aquatiques. De plus, les aiguilles acidifient les sols. La construction de chemins forestiers a nécessité à l'époque de remblayer et d'installer des tuyaux afin de franchir les affluents de l'Our. Aujourd'hui,
on s'est rendu compte que ces tuyaux constituent un obstacle infranchissable pour de nombreux poissons et autres animaux aquatiques. Le projet Life Nature permet d'enlever ces obstacles et de les remplacer par des ponts qui n'entravent plus la migration de la faune. D'autres tuyaux sont remplacés par des constructions métalliques, spécialement conçues pour le passage des poissons. Les tuyaux, qui ne peuvent pas être enlevés, peuvent néanmoins être aménagés pour permettre le franchissement des poissons, grâce à l'installation d'un flis écologique au fond du tuyau. Grâce à sa surface rugueuse, les poissons acquièrent une meilleure adhérence. Le fond colmaté du cours d'eau est restauré grâce à l'addition de gravier. Au sein de celui-ci, les chances de survie des jeunes moules sont meilleures. Le gravier est composé de schiste, le type de roche affleurant naturellement au sein de la vallée de Loure. Après quelques semaines, le courant de Loure a complètement réparti le gravier. Le banc de gravier nouvellement créé accueille non seulement de jeunes moules, mais offre également un habitat adapté à de nombreux insectes aquatiques et jeunes poissons. La construction de stations d'épuration fait que les eaux usées atteignent Loure seulement après avoir été épurées. Une multitude d'espèces profitent de l'augmentation de la qualité de l'eau. À côté des mesures de restauration de l'habitat naturel de la vallée de Loure et de ses affluents, de nombreuses actions de surveillance sont menées afin de renseigner les scientifiques sur l'état de conservation du milieu et de ses espèces. Certains paramètres de la qualité de l'eau, tels que l'acidité, la température, la conductivité et la concentration en oxygène de l'eau, sont contrôlés régulièrement. La concentration en nutriments est également un paramètre important qui est contrôlé. Ces mesures se font en laboratoire à l'aide d'un photomètre. Cet appareil mesure la concentration des phosphates, nitrates, nitrites et de l'ammonium. Ceux-ci sont quatre ions qui, selon lorsqu'ils sont présents en grande quantité, peuvent nuire aux moules. Lors de pêche électrique, les scientifiques contrôlent quels poissons en quelle quantité sont présents dans Loure et ses affluents. Le suivi de la population de la truite de rivière, l'hôte intermédiaire de la moule perlière, est important. Les populations d'autres poissons, comme le chabot ou le vairan, sont également importants, car ce sont les hôtes intermédiaires de la mulette épaisse, une autre espèce en voie de disparition dans Loure. Sans nombre suffisant de truites, chabots et vairans, les deux espèces de mollusques ne pourraient pas se reproduire et disparaîtraient dans Loure. Sind immens viele Leute, die hatten eben Angst, dass ob der Kalber Mühle wirklich den Tourismus gefördert gehen und dass wirklich den Sitz zerstört gehen, dadurch, dass immens viele Leute darüber kämen. Also das ist ein Sorge, die wirklich bei der Bevölkerung auch spielt. Wenn sie dann hören, da gibt es für eine Acht gemacht und dass das Projekt geht eigentlich
über sanften Tourismus, geht hier über diese Methode, die direkt informiert über die Projekte, sie können vielleicht später auch mal Visiten machen, dass nicht das Grand Publikum oder das direkt mit den Bussen raufgekocht wird. Und das könnte direkt, also die fanden das immens gut, zumal sie hier aus der Region, die das hier auch von früher kennen. Ich vergleiche das immer so, ich meine, sie haben viel drin an einer Infrastruktur geschafft. Das war ein bisschen wie ein Feldlazarett, wo ein Patient in letzter Not gerettet gehen hat. Ich meine, sie haben hier eine hochperformante Intensivstation aufgebaut, wo sie wirklich können gut arbeiten können. Aber was nur effektiv wichtig ist, wenn man den Patienten nicht raus an der Tür laufen lassen und das nicht direkt nicht ansagt. Und wie gesagt, du hast das Projekt Heilo in Auffang, wo ich finde es wichtig, dass das so gemerkt wird. Das war in der letzten Minute. Aber ich denke, dass es das immens wichtig ist, dass das Ganze auch in Zukunft wird rentieren.